Eh bien, salut tout le monde! Oh là, il pleut là, un petit peu. C'est TPS, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Minecraft. Alors, vous devez sûrement vous dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il. C'est quoi cette maison? Pour Ah, quoi? J'ai raté un épisode ou quoi là? Waouh! Waouh! Non, vous avez rien raté, c'est juste que j'avais fait, comme après le dernier épisode, un petit épisode avec Toto encore. Sauf que l'enregistrement avait complètement buggé. Du coup, j'ai pas pu récupérer le fichier. Le fichier était corrompu. Donc en clair, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait une pioche, des torches, une pelle, et juste là, vu que c'était la nuit, j'ai fait une petite maisonnette, n'est-ce pas? Putain de Dieu! Putain, il y a l'autre qui arrive. Vite, putain, je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Je vais me faire taper par l'autre. Faire taper. Ouais. Donc, du coup, hop. Comment est-ce qu'on court déjà? Ah, oui, c'est comme ça. Parce que je suis habitué maintenant à Call of 4. Hop. Et donc, du coup, ben, on s'était quitté juste ici. Ben, je me suis rendu compte que le fichier était corrompu. Donc, du coup, bah, tant pis, quoi. Il manquera un fichier. En attendant, on va continuer. Vous n'avez pas perdu grand-chose. En plus, la vidéo n'était pas super super. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer notre maison. Alors, c'est un peu chiant le temps, par contre. Il y a vraiment pas moyen d'accélérer quoi que ce soit. What the fuck? Je découvre des touches. Ah, je peux faire les screenshots. Wouah! Je découvre des touches. Ça se fait quoi? Ça fait rien. Voilà. Ah, troisième personne. Oh, il est stylé. Ça fait rien. C'est non plus. C'est non plus. Ouais. Voilà. Par contre, pourquoi est-ce que c'est aussi long maintenant? Voilà. Là, c'est mieux. Hop. Je découvre les touches. Hop. Je veux plus troisième personne. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. C'est. Comment j'ai fait? Non, pas de screenshot, j'ai dit. Ah, je m'en fous, les screenshots. Voilà, là c'est bien. Ouais, c'est bon, nickel. Juste, hop. Voilà, nickel. Parfait. Excusez-moi, j'ai commencé à appuyer sur toutes les touches et c'était pas la meilleure des idées. Donc aujourd'hui, on va se faire la maison. On va sortir d'ici déjà. Et puis, on va commencer. Je sais pas où est-ce que je vais la faire. Est-ce que c'est une bonne idée de partir maintenant à l'aventure pour aller la faire? Je ne sais pas, voyez-vous. En plus, il y a l'autre. Arrête-toi. Je vais faire des points. Alors, je ne sais toujours pas à quoi sert la petite barre de niveau là. Si quelqu'un le sait, qui me l'indique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va récupérer la petite fleur, hein. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que notre maison, on l'a fait ici? Bah, écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est bien commencer à faire une maison. On va d'abord se débarrasser de ces petites personnes qui ne m'ont pas l'air très gentilles. Putain, hop, là, les éclairs sont quelque peu bizarres. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui arrive derrière. Non, c'est bon. Juste que j'aille récupérer ça, du coup. Hop. Ok, alors, faut que je me décide. Je pense que ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va stabiliser un peu le terrain, faire un truc un peu plus plat. Hop. On va. Putain, merde. Je suis où? Je vois plus rien, les enfants. Putain, je suis tombé. Merde. Merde. Comment est-ce que je fais là? Je fais avec ça. Alors, parfait, on va pouvoir prendre un peu de hauteur comme ça et planifier ce qu'on va faire. Ça pourrait être sympa ici, je pense. Il y a même des moutons qui coulent, donc c'est encore mieux. Hop. Alors, on va planifier tout ça et on va creuser pour envisager du coup peut-être de reconstruire d'abord le terrain, faire quelque chose de plat. On avait fait un peu ici avec Toto la dernière fois. Vous avez pas vu du coup cet épisode, mais c'est pas grave. Et on va d'abord récupérer ça du coup. Hop.
Donc on va aujourd'hui on va partir là à l'assaut de la construction de la maison de TPS et on va bien voir ce que ça va donner. On va faire quelque chose de simple pour l'instant, quitte après à peut-être changer. Quitte après peut-être oui à changer d'endroit et de faire une autre maison. Nous verrons bien. Hop, nickel, ça c'est récupéré. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bah, du coup, est-ce que j'ai de la pierre? Oui, ça c'est de la pierre. De la terre, pardon. Ouais, nickel. Alors, ce qu'on va faire, hop. On va faire comme ça. Celui-là même va pas nous servir. Hop. Hop. Alors, attendez. Hop. Hop. Il y a beaucoup. Ah, le soleil se lève enfin. Il y a beaucoup de. Il y a un jeu là de. Je sais plus si je vous en avais parlé, je sais même plus ce que je dis dans les vidéos, c'est bien grave. Splinter Cell Blacklist qui me tente beaucoup, beaucoup. Mais j'hésite vraiment à l'acheter parce que ça reste quand même super cher. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais aller revendre tous mes jeux de PS3 pour éventuellement avoir du fric et pouvoir m'acheter autre chose après. Le soleil se lève, les gens sur le monde de TPS. Je me posais la question si à Micromania, merde, est-ce que à Micromania ils font des sortes de cartes, des cartes Steam avec des codes pour alimenter entre guillemets, enfin pour ajouter de l'argent sur son compte à ce moment-là. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. De toute façon, je vais aller voir ça cette semaine. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de jeu sur mon PC, mis à part. Call of 4. Putain, c'est chiant la flotte là! Mis à part Call of 4 et Minecraft, j'ai rien. J'ai rien du tout. Là aussi, il y a GTA qui va bientôt sortir. Donc ce jeu, je vais le saigner, le baiser, le tout ce que vous voulez. Tellement il va être parfait. Donc forcément, je vais retourner un peu sur la PS3 pendant un long moment, je pense même. Je pourrais pas vous faire de vidéo dessus malheureusement parce que j'ai pas de boîtier. Putain, merde. J'ai pas de boîtier qui va avec. Et donc voilà. Donc pas de vidéo. Par contre, j'ai posé la question sur mon Facebook. J'ai sur mon ordi. Merde! Sur mon ordi, une prise HDMI. Alors c'est pas une. Alors attendez, c'est pas une sortie, c'est une entrée HDMI. Je peux brancher mon câble HDMI de PS3 directement sur mon ordi. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc je me demandais s'il y avait moyen, s'il y avait des logiciels qui existaient pour éventuellement faire en sorte que la sortie vidéo du coup de la PS3 apparaisse sur le PC. Ce qui à ce moment-là serait intéressant. Parce que ça signifierait que je pourrais vous fournir des vidéos de GTA 5 filmées depuis mon PC. Voilà. Hop, on va finir bientôt la petite structure. On va aller jusqu'au bout, puis ça devrait. Le con, putain, le con! Ah! On va reprendre un petit peu de terre parce qu'on n'aura jamais assez sinon. Oui, je ne prends pas l'appel, je m'en fous. Hop. Et donc, c'est où qu'on est tombé? C'est là qu'on est tombé tout à l'heure. C'est là où il y a l'air d'avoir aussi une petite grotte. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Une lampe, enfin une torche, comme ça on va se repérer après. Hop. Il va falloir que je me fasse une autre pelle. Je sais même plus comment est-ce qu'on fait les pelles. C'est génial. On va faire une maison aérienne, les enfants. Creusons un petit peu. Donnez-moi des conseils aussi, toujours dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau de la baraque, tout ça. J'ai bientôt plus de pelle. Ok, plus de pelle. Alors, comment est-ce qu'on fait la pelle? Faut l'atelier, l'atelier. Est-ce que je l'ai avec moi? Ça, c'est un four. L'atelier, il est au-dessus. Il est là. Est-ce que j'ai de quoi faire? Alors, comment est-ce qu'on fait une pelle? C'est avec bâton. Ah, j'ai pas assez de bâton, attendez. Hop. Planche d'acajou. Alors, je crois que c'est comme ça. Yes, nickel, je me souviens. Hop, nickel, hop. Hop, hop, hop. T'es mal patron, ma gueule. Et de la pierre. Non, ça c'est comme ça. Hop. Merde.
Voilà. Et pas bien comme ça de faire plusieurs si. Yeah, là, yeah. Bon, j'en ai déjà récupéré une. Une deuxième, parfait. Nickel. Donc, du coup, les bâtons, on récupère. Hop, je suis devenu un pro de Minecraft maintenant. Alors, hop, putain, le con. Alors, ma pelle. Ma belle pelle. La petite maison aérienne qu'on va se faire. Il y a un bruit autour, là. Il y a le mouton qui est en train de crever dans l'eau, là, avec un grand con! Alors. Ça, à la limite, je peut-être pas. Je crois que je vais creuser le dessous de la vidéo. Les dessous de la maison, pardon, je ferai après. Là, pour l'instant, je vais juste me contenter de faire. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire d'abord les bases en haut. Les bases en haut. Hop. Hop, nickel. On va juste enlever cette connerie. De herbe. Hop. Ça a l'air pas mal là. Qu'est-ce que ça donne? On va juste finir ici, comme on a dit. Merde! Putain, qu'est-ce que c'est chiant! D'ailleurs, je me demande si je peux jouer. Ouais, non, je vais pas jouer avec la manette sur Minecraft. Ça va pas être bien. Parce que je pense que du coup, ouais, je peux jouer avec le logiciel. Jouer avec ma manette de PS3, mais bon, Minecraft, autant faire avec clavier souris, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, voilà. Chier. Ok. On va aller jusqu'où? On va aller jusque-là. Hop, hop. Nickel. Hop. Ça a l'air de se lever un peu. Bah voilà, il suffit de demander. Alors, on va faire une maison. On va peut-être finir là. Faire un truc droit quand même. Ah d'accord. À ce moment-là, ce qu'on va faire éventuellement, c'est pas moyen de se baisser. Ah, pas ça. Nickel. Nickel. On va faire jusque-là. Nickel. Et hop là! Ça, on va enlever ici. Ici. Et pour finir. Ah! Ah, c'est galère. Je suis toujours pas habitué à la souris. J'ai un petit peu de mal avec la souris au début. Bon, c'est vrai que quand on vient de console et qu'on doit s'habituer à un truc tout nouveau comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout même. Mais je m'y fais petit à petit. Bah voilà, parfait. On a une base. Putain, fais chier. J'ai pas vu ici. C'est quoi ça en fait? Côtelette de porc cuite. Ah ouais. D'accord. C'est comme ça. Ok. Il est comme ça le mec. Peut-être pas creuser autant là. Hop, nickel. Du coup, c'est vraiment pas beau. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on se fera un petit escalier après. Alors, ici, il me manque des blocs. Alors, la terre. Tac. Alors, la terre. Mince. On va pas foutre la côtelette de porc. Voilà, nickel. On va pouvoir commencer. On a 63 pierres. Pierre, est-ce qu'on a d'autres pierres? On en a d'autres. On a d'autres. Ouais, on en a plein même. C'est quoi en fait? Pierre, pierre, parfait. On va tout foutre ici. On peut pas? Non, ça doit bloquer au bout d'un moment. Alors, on va commencer notre petite maison. Il faudra pas oublier, bien sûr, de faire une porte. Alors, la porte, éventuellement, on va peut-être la faire là. Je sais pas comment est-ce qu'on fait une porte. Je vais voir ça. Je crois que c'est. Ouais, je crois que. Avec des bâtons, un truc comme ça, ou des planches de bois, je sais plus. Alors, hop, on fait les constructions. J'entends un bruit. Les bases de la maison. Ah, c'est long quand même. C'est long!
Et le mouton il fait chier. Oh, t'es mal patron. Oh, t'es mal patron, ma gueule. Allez, je regarde pas, je regarde pas, je m'arrête au dernier moment. Hop. Non, bon, ok, j'avais un peu de marge. Tac. Chier. Alors, je vais me foutre ça là. Peut-être dû penser à faire éventuellement une autre porte de l'autre côté, quand même, pour essayer de faire une porte d'entrée. Elle va être grande, ma maison, hein. On l'agrandira après. Alors, pioche. Alors, on a dit qu'on faisait. Ah, éventuellement, ce qu'on va faire ici, c'est peut-être pas. On va pouvoir se faire. On va se faire une piscine ici. On fera ça après. Ouais, on va faire ça. Alors. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a des planches d'acajou, mais moi j'aimerais bien plus de planches d'acajou. Donc limite, ce qu'il faudrait, c'est. Alors déjà, on va délimiter le tout. Parce que ça, du coup, on va pas le foutre en plein milieu de la maison, c'est pas très beau. Okay. Ce qu'il faudrait, c'est. Est-ce que si on fait par exemple un sol comme ça? C'est assez joli. Ouais, ça va. Faudrait que je télécharge aussi un pack de textures. Que je vois ça, je vais aller voir ça après cet épisode-là. Qu'est-ce qui serait intéressant? On va mettre le fourneau et l'établi quelque part, du coup. On va les mettre ici à ce moment-là, dans le coin. Fourneau, hop, et établi, hop là. Alors, établi, on va le foutre là. Hop, et le fourneau. Et on va le foutre juste ici. Tac, nickel. Pour l'instant, j'ai pas faim, donc ça va. L'établi, il faut que je me fasse. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. On va essayer. Ça va pas être ça du tout. Non, ça sera pas ça, de toute façon. C'est pas possible que ce soit ça. Je me demande si à ce moment-là. Ah, c'est quoi? Chair putréfiée. D'accord, bon, bah, ça, on va jeter. Hop. On n'en veut plus. Chier. Ça fait quoi si on mange ça? On va être malade? Même pas. Oh, le soleil se couche sur TPS. Ou sur le monde de TPS. Ouais, ça me turlupine quelque peu. Bon, tant pis. Pour l'instant, on va continuer à faire ça. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment de voir la construction de ma maison, parce que c'est vrai que y a pas beaucoup d'action. Pour l'instant, hop, on va mettre des torches après. On va se faire éventuellement ici une petite fenêtre. Attendez, on va faire avec ça. Ça va plus vite. Et on va laisser jusqu'ici. Jusque là. Joli quand même. On va déjà mettre des torches. Pour l'instant, je vais les mettre un peu au hasard. Hop. Comme ça, au moins, on aura un petit peu de luminosité. Et putain, moi, quand je fais une maison, c'est pas une maison de pédé, hein? Vous avez le truc de malade? Hop, on va en foutre ici une. Hop. Bon, pour l'instant, ça se tient. Hop. C'est pas très équitable pour l'instant. Niveau pierre, je vais être un peu. J'ai rien dit. Ça va en fait. On va faire une maison en pierre, n'est-ce pas? Très rustique. C'est juste pour l'instant, tant que j'ai pas d'autres matériaux. Hop là, encore une fois, c'est pas passé loin. Alors. Alors, il faudrait aussi que je vois comment est-ce qu'on fait un lit. Ah, putain, merde. Bon, bah tant pis, je prends de l'avance. Il faudrait que je vois aussi comment faire un lit. Parce que c'est vrai que ça serait utile pour sauvegarder. Ok, on est à court de pierre. Et actuellement, ouais. J'ai peur de sauter. J'ai pas le tuté, mais on va quand même le faire. Pas grave. Ça va, ça va. Le mouton, il me fait chier. Niveau pierre, ouais, c'est pas la folie. Ça, c'est quoi en fait? Donc là, on a. Ouh, attention!
Éventuellement, je pense que ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va. On est à 20 minutes, ouais. On va continuer un peu, on va faire 30 minutes et puis voilà. Squelette là-bas, faire gaffe. Ah, mais du coup, moi je suis con, j'ai pas fait de, j'ai pas fait d'entrée. Enfin, j'ai fait une entrée, mais. Putain, fais chier. Ta gueule! Le problème c'est juste que ben j'ai pas fait de ouais d'escalier. Limite ce qu'on va faire c'est déjà ça, je peux pas. Ah putain de Dieu, quelle idée de sortir vite faut. Ah putain le con, le con, le con, la pioche, la pioche. On va se battre avec une pioche. Hop, vite, on suit d'entrée. Hop là. Et putain de Dieu! Putain! Vous rentrez pas, vous ne passerez pas! Parfait. Ah, c'était moins une. Niveau vie, ça va. On va juste bloquer ça du coup. Hop. Et du coup, je pense que ce qu'on va faire, les enfants, c'est que on va s'arrêter là, à ce moment-là, pour cet épisode. Hop, juste récupérer ça. On va s'arrêter là à ce moment-là pour cet épisode. Je vais avancer un petit peu la maison. Parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Juste fait une petite maison comme ça. Je vais essayer d'avancer. Faire un petit peu de construction, aller chercher des trucs, tout ça. Et puis on se retrouvera dans un autre épisode où j'aurai un petit peu plus avancé. Voilà les gens, c'était TPS. J'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Gros bisous sur la face droite et pas à la gauche comme dirait Lucky. Bye! Yeah.